Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement du spray au vinaigre blanc, tout simplement, dont je me sers donc pour faire le ménage. Et je voulais vous montrer donc les deux solutions que j'utilise pour faire mon spray. Alors le vinaigre blanc, c'est vrai qu'on m'avait posé la question, c'est un vinaigre blanc en fait à 8 degrés d'acidité, sachant qu'il s'en vend à 14 degrés souvent dans les magasins de vrac, donc il y a à le diluer un petit peu plus. Voilà, ensuite la première préparation que j'ai faite, donc c'est avec des agrumes. Et disons qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment je le fais avec la menthe du jardin. J'ai en effet de la jolie menthe qui sent vraiment super bon. Donc comment je fais? Tout simplement, bon, après l'avoir nettoyé, vous allez donc... Oula, je fais n'importe quoi. La mettre dans le bocal, ici, tout simplement. Donc on coupe bien les feuilles. Et l'idée est de remplir entièrement le bocal. Donc voilà. Alors je mets même les petites hein, parce que il n'y a pas de raison. Voilà. Donc en fait j'ai pris hein, seulement deux plants environ. Donc voilà. Je remplis bien mon bocal. Et tout simplement, après, vous allez verser du vinaigre blanc. Et alors, il faut que ça recouvre entièrement la menthe. Donc, hop. Donc, c'est un petit peu long, hein, parce que c'est vrai que j'aurais pu enlever directement le bouchon. C'était un petit peu plus facile du coup. Voilà. Hop, 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 hop. Donc, je vois qu'il est presque temps de racheter. Alors, j'utilise donc évidemment pour absolument tout. Et alors, moi, j'ai des animaux. Donc, je l'utilise énormément, justement, avec du bicarbonate de soude pour enlever l'odeur. Alors, après, voilà, je rebouche mon petit bocal et je laisse macérer minimum 15 jours. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai gardé des pelures d'agrumes. J'ai utilisé deux fois en tout, donc pour arriver à mon petit spray. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sécher, pardon, et les mettre au compost. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye.